We also have Palestinian and Jewish unity here, and Michelle Abella is going to speak with you now. Bonjour. Juste un petit mot en commençant. À l'instant, je me présente, mon nom est Michel Labelle pour Pajou. À l'instant, je suis co-président de Pajou. Pour ce qui est, je livrerai donc le message de solidarité pour le groupe en soutien à la résistance palestinienne. D'abord, j'aimerais dire que nos cœurs et nos espoirs sont avec le peuple palestinien qui lutte en ce moment pour sa survie. Face à la colère et à la frustration des Palestiniens et des Palestiniennes, particulièrement depuis que la jeunesse palestinienne a constaté les échecs des accords d'Oslo, il est désormais clair que Netanyahou joue le tout pour le tout en favorisant l'escalade dans l'usage de la force. Il a même publiquement annoncé que les colons ont le mandat de tuer sur tout ce qui bouge, du moment qu'il s'agit d'un Palestinien ou d'une Palestinienne qui refuse de se soumettre aux dictats des colons. Des dizaines de Palestiniens et de Palestiniennes se font assassiner tous les jours sans que la communauté internationale intervienne et la jeunesse devrait rester chez elle et pas s'épargner. Non! C'est pourquoi lundi dernier, le 5 octobre, un front uni de l'ensemble des organisations de résistance de la société civile palestinienne va lancer le mot d'ordre à sa jeunesse « Intifada ». C'est inacceptable et troublant à la fois que des politiques publiques aussi cruelles que la punition collective, le vol de terres occupées par les centaines de foyers palestiniens allant jusqu'à brûler vite, des bébés, les pratiques formellement interdites par le droit international deviennent des événements banals dans l'actualité internationale. De surcroît, pour ajouter l'insulte à l'injure, les colons sionistes viennent célébrer et faire soigner publiquement sous nos yeux, par les biais de la caméra, leur crime répugnant à la face du monde entier sans même que l'opinion ne s'émeuve. Par chance et bonheur, la jeunesse est là qui veille pour nous rappeler à l'ordre. La jeunesse palestinienne a bien compris le message suivant lequel c'était devenu question de vie ou de mort pour le peuple palestinien que d'élever un cran au niveau de la résistance. Quand le premier ministre de soi-disant pays démocratique, j'ai nommé Benjamin Netanyahou, encourage publiquement à tirer à vue jusqu'à mort quiconque a vu simplement la domination sioniste sur le territoire palestinien, il n'est pas étonnant que sa jeunesse se révolte et offre une réponse à la hauteur de l'appel au crime. Comment en est-on arrivé là? Plusieurs explications peuvent en être données, mais la plus parlante est la formation idéologique et maladie du sionisme. Quant au Québec, nous sommes sortis de la grande noirceur. Avec la révolution tranquille dans les années 60, nous sortions d'un temps où la bandiane, l'instrumentalisation de la religion par la politique, faisait école. C'est peut-être pourquoi nous en sommes encore aujourd'hui. Un rapport massif avec tout ce qui peut toucher de peu ou de loin ce genre de politique que nous avons vu encore à tort de l'autre temps. Les sionistes ont repris exactement la même politique pour justifier l'oppression du peuple palestinien ainsi que des peuples du monde entier par la complicité des organisations internationales de soumission aux dictats des impérialistes en misant sur la culpabilité de l'antisémitisme européen des 19e et 20e siècles. Or, quand un tel mort officialise le crime comme politique publique, il n'est pas étonnant de voir que parmi même les rangs de sionistes, ils enregistrent défection par-dessus défection. Les sionistes ont bien compris senti que leur soutien dans l'opinion publique international se faisait dans plus en plus difficile à obtenir et que les faits sont favorables du monde entier ont commencé à remettre en question la légitimité du pouvoir sioniste. Il est fini le temps où les sionistes utilisaient la culpabilité de l'antisémitisme européen des siècles passés pour faire la pluie de beau temps en Palestine et sur la planète au nom d'une soi-disant revanche de la Shoah. Il est désormais temps pour l'opinion publique et internationale de traduire devant les tribunaux compétents
les criminels de guerre sionistes ainsi que leurs complices. Israël criminel, encore complice. Israël criminel, encore complice. Vive l'intifada, vive la résistance du peuple haïtien, vive la